حنا درك كنقولوا ثورة الجوع باسكو على بالنا باللي ماذا بينا الشعب هذا يرفعوا يديهم عنه شوية كي لاف لا بريسيون ايكونوميك باسكو على بالنا بلي ديغال اللي يدير. وهذه نصيحة لوجه ربي باسكو اون فا با نطلبوا من الشعب يدير ثورة. الشعب نتاعنا الي انكابابل يدير ثورة باش تكونوا في علمكم. اي ثورة يديرها يحشيوها له فيها باسكو الي انكابابل يخرج قيادة سياسية. حتى من الناس اللي زعما يمارسوا في السياسة قسمين، قسم مهابل وقسم ديزيسكرو. ديزيسكرو بوليتيكا تاع صباط ماشي اسكرو كبير قال اكول بلون كدا ستيل تاع لا سيتي ولا في الانجليز ولا لا لا تحت خلاص. دونك الشعب اللي ما قدرش يخرج طبقة سياسية واعية عندها برنامج وتقودوا للدفاع على مصالحه ما يقدرش يدير ثورة محال. ما زلنا نغلطو توجور في الموديل تاع 54. ثورة 54 كانت في غير وقتها بريماتوري سيتي با المومون لو بوبل نيتي با بري اي لا بروف اون اون اي لا 60 سنة ابري رانا نحوسو نديرو ثورة. دونك ما استقليناش. Donc, je vais prendre les appels, essayer de répondre à quelques commentaires. Mais, je vais répondre à un commentaire, Lies. Tfaddal, Ahmed. Si tu permets, comme ça, je te donne un petit coup de main. Joe Azertwin, ou là, je ne sais pas, Top, ou là, je ne sais pas, Smawedadou, Saab. Pourquoi on vous a retiré de la liste des terroristes? Je lui réponds. Mais parce que Lies Rahmani n'est pas un terroriste. Il a combattu des terroristes, mais il n'est pas terroriste, c'est normal. J'ai jamais été. Non, Ahmed, il faut rajouter, j'ai jamais été sur cette liste. Ah, pardon. Où a-t-il retiré? Oui, mais tu ne me laisses pas continuer. Ah, d'accord. Donc, comme il a dit, lui, il a jamais été sur la liste des terroristes. C'est vrai. Mais Alish. Alors, maintenant, il y a Brahim aussi, c'est intéressant. Ah oui, sur la liste, pour votre information, il y a Mkhiouba, il y a Zito, Teisha Mahboud, Amir Tisset. Bon, eux, sont, ils font ce qu'ils veulent. Et la liste, celui qui l'a fait, il fait ce qu'il veut. Je n'ai pas fait, mais je n'ai pas fait, mais je n'ai pas fait. Il fait ce qu'il veut. Alors, il y a Brahim qui dit aussi feuilleton confidentiel. Effectivement, il y a un feuilleton sur Arte qui raconte des conneries et des bêtises, c'est tellement mal fait que même l'environnement n'est pas algérien. L'environnement, peut-être, il n'est pas algérien. J'ai rien vu d'algérien là-dedans. J'ai été à Club des Pins, j'ai jamais vu une plage comme ça. Jamais. Donc, c'est pas. Alors, évidemment, il y en a qui disent en français, des autorités algériennes accusent Arte. On n'a pas vu l'accusation, mais oui, les autorités accusent Arte parce qu'ils sont en train de flipper. Les autorités algériennes avec un feuilleton, c'est un canasson, hein, le feuilleton ADA. Je finis le début avec l'ISPE, c'est un canasson. C'est fatigant, c'est pas réel. Ils disent que les autorités algériennes accusent et disent vous êtes en train de refaire le qui-tu-qui. Mais le feuilleton, pour celui qui l'a vu, sincèrement, Liège va vous le dire, ça n'a rien à voir avec la réalité, rien du tout, rien. Et je vous dis, même l'environnement, moi, n'a rien à voir avec l'Algérie. À Lilloula, j'ai été dans des cimetières en Algérie, mais j'ai jamais vu des cimetières comme ça. C'est pas chez nous, c'est pas chez nous. Et même la grossièreté des militaires, les militaires déjà, ben regarde les militaires, normalement, ils ont un douche kershada. Il n'avait pas de ventre. Aucun militaire n'avait un ventre. Il n'y a rien qui va à faire croire à l'Algérien qui est habitué avec une vision, avec une image d'un général. Il n'y a rien qui va lui faire croire à ce feuilleton-là. Rien du tout. Ça, c'est. Moi, je pense que c'est un flop. Ils ont fait beaucoup de publicité autour de ça. Mais tu peux dire aussi ton avis, Lies, là-dessus, sur ce feuilleton. On a regardé ensemble pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis on a décidé de ne plus regarder parce que c'était fatigant. Merci, Ahmed. Bon, concernant le feuilleton Alger confidentiel,
C'est une fiction. Ça veut dire قصة خيالية. طريق أحمد، je crois que je vais perdre la batterie. تاعك، استنى، je te branche. Donc, c'est une fiction, tout simplement. Bon, c'est un peu gênant, là. Comme ça. Bon, allez, non. Donc, c'est une fiction. Habituellement, qui dire des fictions, on essaie de coller à la réalité. Yani, le scénariste ou hadouk, il jibou des conseillers, il jibou nas, t'arraf le milieu, t'arraf le wahed, pour que la fiction, tu les tchibbah l'haqiqa. Ma'akou l'ihtirahmati, enfin, le scénariste hada, mefrini, rien ne colle à la réalité. Bessah, kayna haja importante. Quel est le message qu'on veut faire apparaître? Ils sont en train de faire apparaître Billy Dzaïr, c'est une république bananière. D'ailleurs, c'est les Américains qui l'ont dans le feuilleton de Tahom. Et Dorka Arte. Donc, sur le plan de la communication de masse, le cinéma, ils sont en train d'implémenter Ferris Ness, Billy Dzaïr, c'est un pays qui mate à l'Amérique latine. Oui, des généraux peuvent valoir Sendok Tfah. C'est une image qui nuit beaucoup à l'Algérie et aux Algériens. L'image a dit, elle va nous nuire les demandes des visas. L'image a dit, va donner une impression à Al-Jazeera, Kahla, ce qui nuit à notre peuple. Alors que réellement, nous sommes encore une colonie, nous sommes colonisés, nous ne sommes pas libres. Les généraux, ils jouent le rôle de guide. C'est au France. C'est bon, c'est de la sauce. C'est au France, beaucoup de gens ont l'ancien colon. Mais si la France métropole, elle a dit, elle a fait un an. Non, non, non. France al Qadima, mais elle est là. Elle est là. Elle est là-bas. Ou elle a les lobbies de France, elle a dit, ça. Nous combattons à Jemaa le colonialisme. Arfou l'adou n'taakoum. وحضروا نفوسكم باش تواجهوا وتستقل الجزائر. ما تواجهوش عدو خيالي يقيلوا يقول لكم الجنرالات الجنرالات، ومن بعد يقول لك جودان شاف كان يحكم في الجنرالات. دونك انا ندير حرب كونتر شكون؟ كونتر الجنرالات ولا كونتر لي زاجيدون شاف؟ سوي ان بو ايوا الشعب حلو راسانكم، بوزيفو لي كيستيون كيلفو.